Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue au direct de l'Institut français Turquie, l'émission culturelle en direct et en live sur Instagram. Je m'appelle Zélia et ce soir nous allons accueillir le joueur de basket de l'équipe de France, Amat Mbaye, qui joue également actuellement pour l'équipe turque de Karsiyaka. Restez avec nous, vous ne serez pas déçus. Merhabalar efendim, ben Zélia ve yeniden her ay olduğu gibi Institut français Türkiye'nin canlı yayınlarında birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz da Amat Mbaye. Amat Mbaye kimdir? Aslında Karşıyaka Spor Kulübü'nün ünlü forvetlerinden bir tanesi. Sizleri bekletmeden önce hemen kendisini buraya davet etmek istiyorum. Alors, j'invite de suite Amat Mbaye. Amat geliyor arkadaşlar. Salut. Gerçekten. Bonsoir Amat. Ça Bonsoir, ça va? va, merci, toi? Ça va, super. Ça, super. T'es bien installé? Ouais, j'espère, ça marche bien. Oui, on t'entend bien, c'est bien. Tout le monde voit bien, c'est super. Ok, merci. Avant de commencer, je tenais vraiment à te remercier particulièrement d'avoir accepté ce direct parce que je Ah, je sais que t'en t'as un prie. planning hyper serré et malgré tout ça, tu as dit oui pour ce soir. Merci du fond du cœur. T'en prie, ça fait plaisir. Arkadaşlar Amat'a gerçekten çok teşekkür etmek istiyoruz. İnanılmaz bir yoğunluğun içerisinde bizi kırmadı ve bugün bizimle birlikte bu canlı yayını yapmaya karar verdi. Tabii ki bunun yanı sıra bu gecenin mimarlarından bir tanesi olan Karşıyaka Spor Kulübü ekibine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum tüm Enstitü Fransa Türkiye ailesi adına. Voilà, Ahmet, c'était juste pour le faire en turc. Je suis désolée. Ce Pas de soir, problème. je vais certainement faire de temps en temps des traductions en turc. Pas de Voilà. problème. Super. Alors, Ahmet, est-ce qu'on peut te connaître? Ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben écoute, je m'appelle Amat Mbaye, je suis français d'origine sénégalaise. J'ai 31 ans, je joue au basket depuis très longtemps maintenant, depuis ma jeunesse. Cette année, c'est ma deuxième année ici à Karsiyaka. Je joue aussi en équipe de France. Je suis marié et j'ai une petite fille qui s'appelle Mila et qui va avoir 19 mois bientôt. Ah, oh, c'est chou, super, super, Merci. contente. Elle s'appelle Mila, c'est ça? Mila, c'est ça. Elle s'appelle Mila. Ben, on lui fait de gros bisous. Bisous, Mila. Ok. Et alors, tu es d'origine sénégalaise aussi, enfin, tes parents sont sénégalais, donc ça veut dire que tu parles plusieurs langues. Tu parles combien de langues? Non, écoute, je parle anglais et français fluemment. Après le Wolof, à l'époque, j'ai habité au Sénégal pendant quelques temps, donc à l'époque, je comprenais bien et je parlais un petit peu, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai perdu. Tu as vécu dans plusieurs pays, d'après ce que je sais, tu as pas mal voyagé. Alors, je voulais savoir en fait ce que ça t'a rapporté, cette multiplicité culturelle, justement. Quels ont été ces avantages d'avoir vécu dans plusieurs pays de cultures différentes? Bah, écoute, je pense que très tôt dans ma vie, j'ai pris l'habitude d'être dépaysé un petit peu, d'être relocalisé. Je suis allé aux États-Unis pendant 4 ans où j'ai joué à la fac. Après, je suis allé au Japon pendant 3 ans, après en Italie pendant 2, 3 ans. Et là, c'est ma deuxième année en Turquie. Donc, ouais, je pense avoir eu l'occasion d'apprendre tôt dans ma vie à parler plusieurs langues et à m'adapter à différentes cultures, ça m'a quand même pas mal aidé à m'habituer vite. Ouais, je pense bien. Comment tu trouves la Turquie d'ailleurs? Enfin, tu es ici depuis 2 ans. Est-ce que tu t'es habitué un peu à Izmir? Ah, bah, écoute, ouais, super. Jusqu'à présent, une très très bonne expérience. La culture turque et les gens ici sont super gentils, super accueillants. Bah, écoute, toute ma petite famille, on a vraiment adoré, surtout ici à Karsiyaka et à Izmir, qui je pense. C'est un petit coin de paradis en Turquie, donc on s'y plaît vraiment bien. Et ouais, honnêtement, jusqu'à présent, on adore. Tu connaissais Izmir avant cela ou est-ce que tu l'as Non, bah, découvert c'était ma avec première nous? fois. On a découvert, D'accord. c'était. Ouais, je connaissais que Istanbul parce que j'ai eu l'occasion de venir jouer ici plusieurs fois. Mais c'est tout. D'accord. Tu connais l'Institut français? Enfin, est-ce que tu étais déjà venu à l'Institut? Non. Non, pas Non? du tout. Non plus? C'est la première fois que j'en entends en parler, mais c'est super cool ce que vous faites. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a une vraie communauté française en Turquie
et de pouvoir partager avec, ça fait super plaisir. Oh oui, et pas qu'un peu. Je peux te dire que même la communauté ASMR est très très active. D'ailleurs, j'en profite pour émettre l'invitation de notre directeur José Maria Queiroz, qui aimerait bien te rencontrer en vrai à l'Institut. Mais je pense pour cela, on va se parler certainement une autre Ça marche. fois en détail. Et il voulait également savoir en fait le tchiboudienne. Tu manges certainement sénégalais? Je mange sénégalais. Le tchibouyane, c'est pas mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est le yassa et le Ah. mafé. Donc le tchibouyane, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop poisson au fruit de mer, moi. Mais par contre, le yassa, j'adore. Alors, franchement, je t'avoue que je ne suis pas trop adepte de la cuisine sénégalaise. Je ne connais pas trop. Ok. Donc, c'est quoi le yassa? Yassa, C'est c'est quoi du exactement? poulet au citron avec du riz et des oignons. D'accord. Et c'est super bon. Ok. Et tu cuisines ça à la maison ou tu trouves un Écoute, resto moi, mon local? yassa, il est vraiment, vraiment pas top. Non, mon yassa, moi, il est vraiment pas top. Ma mère fait du très bon yassa. Et écoute, ma femme a fait son premier yassa cet été. Non, je dis des bêtises, c'était il y a peut-être un mois. Et il était déjà pas mal. Et son deuxième était vraiment, vraiment très bon. Donc là, maintenant, j'ai de la chance. Je peux avoir des yassa faits maison de temps en temps. Super, super, génial. Bon, j'aimerais bien. Il faudrait qu'on goûte à ça une fois. Moi, je connais pas du tout, donc on Super verra. bon. À l'occasion, faut essayer. Bon, très bien. J'essaierai, j'essaierai. Alors, comment on va parler un peu basket, hein, puisque tu es un Ok. peu là pour ça aussi. Comment as-tu décidé d'être joueur de basket en fait? Est-ce que c'était ton rêve ou... Comment j'ai décidé? Je pense que je suis un petit peu tombé dans le bain. Ma mère joue au basket. Mon père était professionnel en France. Donc, je suis allé à beaucoup, beaucoup de matchs de basket quand j'étais petit. Puis c'est vrai que faire D'accord. 2,5 m, ça aide aussi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis grand, tant qu'à faire, autant l'utiliser pour quelque chose. Mais ouais, je pense que je suis un petit peu tombé dans le bain. D'accord. Je vais juste faire la traduction en turc. Arkadaşlar, aslında basketbolcu bir aileden geldiğini söyledi kendisi şu an. Babası bir profesyonel takımda oynuyormuş zaten. Annesi de keza basketbol oynuyormuş. Bunun içerisinde harmanlanarak tabii ki boyundan da birazcık fayda sağlayarak bir basketbolcu olma kararı almış kendisi. Voilà, j'ai fait de la traduction, je suis désolée, mais Pas de problème. pour ne pas perdre le public turcophone non plus. Alors, depuis combien de temps tu joues au basket du coup? C'est depuis ton enfance alors? Depuis mon enfance, ouais. Après, je dirais en club et sérieusement, c'est depuis que j'ai à peu près 15-16 ans, je pense. D'accord. Tu joues actuellement à Calcetta, ça fait 2 ans, mais avant cela, tu étais où? J'ai joué au Japon pendant 3 ans. Après, j'ai joué en Italie, à Brindisi, à Milan et à Bologne pendant une année enfin 3 ans en total. Et après, je suis venu en Turquie. D'accord. Amat 16 yaşından beri basketbol oynuyormuş. Karşıyaka'dan önce de Japonya ve İtalya'da da yer almış kendisi. Et du coup, enfin, actuellement, tu es à Karşıyaka, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les Turcs, particulièrement les supporters de Karşıyaka, t'adorent. Vraiment, ils t'aiment énormément. Qu'est-ce que tu leur as fait en fait? Ben écoute, je ne sais pas À quoi si tu peux moi les expliquer? personnellement je leur ai fait quelque chose, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, on a vraiment une très bonne équipe qui est avec un bon staff, un bon coach qui est très respecté. Donc je pense que ça a beaucoup à faire aussi dedans. Et puis, ouais, jusqu'à présent, on gagne beaucoup de matchs. L'année dernière, c'était vraiment une expérience très, très, très intéressante et super, super intense de pouvoir jouer devant nos fans. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué à cause du Covid. On joue à huis clos, mais c'est vrai je pense qu'on a certainement les meilleurs fans de Turquie, donc non, c'est vrai que c'est super de jouer ici. Super, bah, on est vraiment content aussi que ça te plaise. Bu arada Karşıyaka'da gerçekten çok çok sevilen isimlerden bir tanesi. İnanılmaz bir fan klubu var. Ve bunun hani sırlarını öğrenmeye çalıştım burada. Muhtemelen ekibine bağlıyor. Çok güzel bir ekip
olduğunu ve çok güzel bir harmoni içerisinde oynanıldığını vurguluyor. Özellikle iyi antrenörler, iyi koçlarla birlikte oynamak çok önemli olduğunu vurguluyor burada. Tu as été également élu récemment meilleur joueur de la Ligue turque. C'est passé dans les journaux, etc. À quoi tu lis ces succès? C'est aussi une question d'harmonie dans ton équipe ou c'est vraiment le fruit d'un dur travail, en fait, Je pense que c'est une combinaison des deux, mais c'est vrai que la façon dont on joue et la façon dont notre équipe elle est construite, ça aide parce que je peux vraiment m'appuyer sur des coéquipiers qui sont super tous les jours, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. Et pareil pour le staff qui nous met vraiment dans les conditions parfaites pour qu'on puisse jouer et performer au plus haut niveau. Donc, ouais, je pense que c'est une combinaison des deux parce que le travail, évidemment, c'est important, mais d'avoir une équipe comme la nôtre, c'est super top. Ok, très bien. Vous venez de rentrer d'Italie, j'ai regardé le match d'ailleurs, bravo, félicitations. Merci. Très beau match avec le Fortitudo Bologne. C'est quand le prochain? On joue dimanche contre Gaziantep. Gaziantep, ça se passera à Izmir ou vous vous Ouais, déplacez? on joue à la maison. Pazar günü Gaziantep'le olan karşılaşmalarını kaçırmayın. Pazar günü tekrardan bir maç gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Hemen not alıyoruz tabii ki. Alors, que signifie pour toi de porter le maillot des Bleus? Parce que je sais que tu es aussi dans l'équipe de France actuellement. Donc, qu'est-ce que ça te fait de représenter la France ailleurs? Ben écoute, pour un sportif, je pense que y a rien de mieux. Je pense que c'est un des accomplissements qui me fait le plus plaisir au niveau basket. Donc c'est une très très grosse fierté, quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et de pouvoir faire partie du groupe maintenant, c'est quelque chose que je prends très au sérieux et je prends beaucoup beaucoup de plaisir à rejoindre l'équipe de France, que ce soit pour les fenêtres internationales ou les grosses compétitions, ça fait toujours plaisir de pouvoir rejoindre le groupe et de porter le maillot France. Super. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu es sur le terrain? Ben écoute, beaucoup d'émotions, mais beaucoup de concentration et toujours une très grosse envie d'être compétitif et de gagner. Super. Merci. Alors, quel match t'as le plus marqué durant ta carrière? Hein? Quel match m'a Si on plus peut dire. marqué? Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je pense qu'il y a eu le match où on gagne la Ligue des Champions quand je suis avec Bologne, qui a été évidemment un fort plaisir. Et après, je pense que mon premier match de la Coupe du Monde contre l'Allemagne il y a 2 ans, je pense que c'était un de mes meilleurs matchs à titre personnel. En plus, on a gagné d'entrée pour le premier match de groupe et c'était ma première compétition internationale. Donc, je pense ouais, c'était quelque chose qui était vachement, vachement puissant. D'accord. À ton avis, pour être un bon basketteur, ok, tu as l'expérience, tu as peut-être la volonté, la motivation aussi, mais il y a peut-être quelque chose qui te différencie des autres. Hein. À ton avis, Ouais, qu'est-ce non, que c'est? je pense que tu as tout dit. C'est beaucoup de travail, du sérieux et il faut prendre du plaisir aussi. Je pense que c'est très important. Je sais que j'ai été dans des situations dans ma carrière où je prenais moins de plaisir qu'aujourd'hui et ça se ressentait sur ce que je donnais sur le terrain et sur mes performances. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que si j'arrive à m'épanouir et à bien jouer, c'est que je suis quelque part où je suis content et je suis heureux. Je joue pour un coach qui me donne envie de jouer au basket et avec des coéquipiers qui me donnent envie de jouer au basket. Donc je pense que le plaisir, c'est un gros facteur aussi. Oui, tout à fait. On a plus l'habitude d'être productif quand on aime ce qu'on fait et quand on Exactement. prend plaisir plutôt que le contraire, quoi. Tout à Exactement. fait. Est-ce qu'il y a, t'as, y a un joueur en particulier dont tu t'inspires justement dans ce milieu-là? Un joueur en particulier, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense que, bah, évidemment, mon joueur préféré, c'est LeBron James. Actuellement, mon joueur préféré en tout, c'est Michael Jordan, mais il ne joue plus. Donc, je pense que, ouais, y a plusieurs sources d'inspiration. Moi, j'aime bien regarder le basket à la télé. Pendant toute la journée, il y a du basket à la télé. Donc, je prends de l'inspiration un petit peu sur tout le monde. Après, je pense qu'il n'y a personne particulièrement. Mais après, c'est vrai que j'adore ce que LeBron James fait, que ce soit sur le terrain
ou en dehors du terrain, au niveau business et comment il s'occupe de sa vie. D'accord. Amartsın'ın en sevdiği oyunculardan bir tanesi LeBron James'miş. Tabii ki ikinci sırada da Michael Jordan da geliyor. Bu arada bütün gün kendisi de maç basketbol izliyormuş. Bu da güzel oldu öğrenmek tabii ki. Amart, est-ce que ta famille aussi te suit dans cette passion-là? Est-ce qu'ils regardent aussi avec toi les matchs ou... Ouais, elle regarde un petit peu moins, mais elle regarde. Après, je pense que, bah, par exemple, je sais que ma femme, elle a jamais un de mes matchs. Ouais. Donc, je pense que, bah, je pense qu'elle a toujours été un petit peu dans le basket. Elle a joué quand elle était au lycée, je crois. Ah. Donc, ouais, Ouais. elle aime quand même beaucoup le basket. D'accord. Ok. Ça, c'est important aussi, à mon avis, qu'on Ouais. ait la conjointe qui nous suive Non, c'est dans sûr. notre carrière. Hein. C'est super bien. Est-ce que tu as un projet en particulier que tu souhaites réaliser avant tout? Tu as des projets futurs? Ben écoute, moi ouais, j'en ai un petit peu à droite à gauche. C'est vrai que j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime bien l'investissement, donc c'est des choses qui me passionnent un petit peu. Ah, Donc ouais, c'est complètement assurer autre mes chose. arrières et assurer ma retraite. Hein? C'est complètement autre chose finalement. Enfin, l'entrepreneuriat toujours dans le domaine de sportif ou... Non, pas forcément. Par exemple, j'ai un restaurant à Bordeaux et après j'aime beaucoup l'immobilier, la finance, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qui m'intéressent et j'essaie de m'éduquer au maximum pour pouvoir assurer une après-carrière, correcte. D'accord. Et quels seraient tes conseils pour les futurs jeunes basketteurs si t'étais... Ben écoute, je sais pas vraiment, mais à part, ouais, comme j'ai dit, prendre du plaisir. Je pense que c'est plus important du moment que tu prends du plaisir et que c'est quelque chose que tu aimes faire. Je pense que ça sera jamais, tu le considéreras jamais comme un vrai travail, quoi. Donc, c'est très important. Ouais, d'accord. Très bien, très bien. C'est bon à savoir. Amat, est-ce que tu as quelque chose en particulier à rajouter ou est-ce que tu voudrais éventuellement faire passer un message ou quoi que ce soit? C'est le moment jamais. Ben écoute, si je peux faire passer un message aux personnes qui habitent à Izmir et à nos fans, juste leur dire que j'ai hâte de les retrouver dans les stades, que c'est pas pareil sans eux. C'est vrai que c'est vraiment nul de ne pas pouvoir jouer devant nos fans, spécialement nos fans à nous, parce qu'ils nous donnent beaucoup beaucoup d'énergie. Donc j'espère que tout va se rétablir vite et qu'on va pouvoir voir tout le monde dans le salon dès que possible. J'espère aussi de tout cœur. Hein. Arkadaşlar, Amat İzmirlilere ve Karşıyaka fanlarına bütün Türklere aslında mesajı vermek istiyor. Bir an önce herkes dışarı çıkabilsin. Korona bitsin ve biz de sahamızda güzel güzel maçları yapalım ve sizlerle buluşmayı ümit ediyormuş. Güzel bir mesaj oldu buradan da. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Alors Hamad, on va passer à une session de mini questions-réponses. En général, notre public adore cette session-là. Ça marche. Je vais te poser plein de questions. Il va falloir que tu répondes vraiment sur un coup de tête, D'accord. de manière très spontanée et très rapide. Et puis voilà. Alors, on va commencer. Allez, si t'es prêt, on y va. Vas-y. Donc, la première chose par laquelle tu débutes ta journée. Je me brosse les dents. D'accord. Café ou thé? Thé. Ah, vert ou rouge? Rouge. Ah, yeşil veya kırmızı mı diye sordum. Kırmızı diyor. Ton surnom sur le terrain? J'en ai pas. Ah bon? Non. T'en as pas? Même Non. pas parler turc? Non, même pas. Ah, bah parce qu'en fait les Turcs adorent donner des surnoms, donc voilà. C'est Bon, vrai. ok. Non. J'ai pas eu la chance d'en Oui. avoir un encore. Il me reste encore la moitié d'une saison. J'espère que j'en avoir un d'ici là. Henüz yokmuş. Türklere sesleniriz buradan. Hemen Amat'a güzel bir lakap bulalım. Alors, kebap ou bœuf bourguignon? Kebap. Ah, oh, c'est dur. Mais ah. Non, c'est kebap, kebap.
Kebap ou tcheboudienne? Non, Y a le ça. has, voilà, Y a ça. il y a ça. Ok. Baklava ou crème brûlée? Baklava. Oh, simite ou croissant? Tu veux répéter, s'il te plaît? Simite ou croissant? Je sais pas ce que c'est la différence. Le simite, tu sais, c'est le simite, c'est le la bretzel turque. Sais pas Avec du tout. avec des Ah, graines de si, si, sésame. je vois. Non, croissant, par contre. Ça, croissant. Non. Ok. Allez, on passe. As-tu un talent caché? Un talent caché, je sais faire des sites internet. Ah, ve siteler yapabiliyormuş Amat. Süper. Bu arada ayrıca Amat bir iş adamı. Yani Bordeaux'da bir tane restoranda varmış. Süper. LeBron James ou Michael Jordan? Michael Jordan. Ok. Préfères-tu gagner la Ligue des Champions ou la Ligue turque? Les deux. Oh. C'est bien, c'est ambitieux. Commencer le match dans les 5 premiers ou entrer en jeu la dernière minute? cinq premiers. Super. Ou Fuxalugia ou Vincent Collet? Ah, ça c'est dur. C'est très dur. Ça, je réponds pas. Je peux pas répondre. Mieux pas. Lille ou Paris? Oh. Ah, c'est un... Izmir. Moi, je suis bordelais de Ah. cœur, donc Paris, ça me dit rien, en fait. J'aime bien le sud, j'aime bien le soleil, j'aime bien la vie à un rythme un petit peu plus posé. Super. Je suis d'accord avec toi, je suis pareil. Alors, Hollywood ou cinéma français? Hollywood. D'accord. Tes trois sportifs préférés? LeBron James, Cristiano Ronaldo. Le troisième. Mohamed Ali. Oh, pas mal. Dernier livre lu. L'art subtil de s'en foutre. Je pense que c'est ça, Okay. je l'ai lu en anglais, donc le titre il est un petit peu différent. Mais... D'accord. Je pense que c'est Dernier. pareil. Comment t'en viens n'est-ce Ouais. Arkadan sesler çok tatlı yalnız. Mila herhalde şu an merhaba demek istiyor. Bon, alors, dernier film vu. Dernier film vu, dernier film vu. Je sais pas. Par contre, tu viens de me demander cinéma français ou Hollywood, et je viens de recommencer à regarder Lupin sur Netflix, et c'est super. C'est super, moi je l'ai aussi vu et c'est génial, hein, C'est vraiment. génial. C'est super bien fait. Netflix'te Lupin'i izlemeyen mutlaka izlesin. Hem de Fransızca alt yazılı izleyin, inanılmaz güzel olmuş. Il est super bien fait. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? La petite qui est en train de crier là-bas. Mila. Ensuite, qui t'inspire le plus aujourd'hui? Je pense que du coup, c'est Mila aussi. Ouais, je pense que c'est un mélange de Mila, ma femme et mes parents. Super, super. La destination de tes prochaines vacances? Je sais que je suis censé être rapide, mais je vais donner deux réponses. Si j'ai beaucoup de temps, j'aimerais bien aller à Bora Bora. Si j'ai pas beaucoup de temps, je vais retourner au Mexique. Oh, pas mal. Super. Ton rêve d'enfance, est-ce que tu l'as réalisé ou... Ben écoute, mon rêve d'enfance quand j'étais petit, c'était d'être un cow-boy. Donc, je suis pas dit que je l'ai réalisé, mais je suis plutôt heureux de là où je me trouve dans la vie aujourd'hui. Super, d'accord. Le slogan de Karshaka. Caf, 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 sin, 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 caf, sin, caf, sin, caf. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf diyoruz. Et un dernier mot en français, si tu devais le terminer avec un mot en français, ce serait quoi? sais vraiment pas. C'est une bonne question. Un mot en français. Un mot en français. Ou en Famille. turc? Famille. Famille.
Famille. Ça résume bien ton état d'esprit Ouais. et je t'en félicite. Merci. Est-ce que, bon, franchement dit, c'était vraiment très sympa. Je sais que tu as un planning très serré, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler non plus. En tout cas, on a terminé nos questions-réponses, on a terminé notre entrevue. Et puis, est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter en particulier avant de se quitter? Bah non, écoute, super, c'était top. Merci de m'avoir accueilli, ça fait super plaisir. Encore une fois, ça fait plaisir de savoir qu'on a une vraie communauté française ici en Turquie. Et ouais, super, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était cool. Ben, merci à toi d'avoir accepté et merci au nom de toute l'équipe, bien entendu, de l'Institut français de Turquie. En tout cas, on t'attend avec impatience, on t'attend chez nous à Ça l'Institut marche. pour te rencontrer. Voilà. Ok, super. Bah, merci pour l'invitation. Souhaite très très bonne soirée Bonsoir à et toi. puis j'espère à très très bientôt, un Ça matin. Et bon marche. courage pour la suite. Hein. Merci Allez, beaucoup. ciao. Bonne soirée. Ciao. Arkadaşlar, çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bu akşam Amat'la birlikteydik. Ben tekrardan Karşıka Spor Kulübü ekibine gerçekten teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Tüm Enstitü Fransız Türkiye ailesi adına bizlere bu olanağı sağladıkları için ve tabii ki emekleri geçen herkese çok 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 teşekkür ederim. Bu akşamlık bu kadar. Amat'ın yoğunluğundan ötürü kısa tutmak zorundaydık. O yüzden lütfen eğer kusurumuz olduysa affola. Bir sonraki ay başka bir konukla tekrardan buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili kalın. Merci, merci d'avoir été là et d'avoir participé aujourd'hui à ce live. Je remercie encore une fois du fond du cœur au club de Karşıyaka de nous avoir permis cette rencontre. Et puis, on a dû faire court du fait du planning à Matt. Son planning est vraiment très très serré. Donc, on le remercie encore une fois d'avoir répondu présent. Merci à vous d'être aujourd'hui ici. On va se revoir certainement le mois prochain avec un autre invité. Ça sera sans doute un acteur. Je ne vous révèle pas plus. Les infos, on va se dire au revoir et puis je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir.